Population meurtrie dans les zones de guerre ou les milieux défavorisés au moyen de l'acupuncture, c'est la démarche quasi unique dans le monde de l'humanitaire que propose depuis 2002 l'association Shenang et Avicenne. L'objectif est simple, aider avec le minimum de moyens ceux qui souffrent et qui n'ont pas accès aux médicaments ou à des infrastructures médicales. Si pendant longtemps le travail réalisé par cette association est resté confidentiel, il est aujourd'hui bien mieux connu grâce à la détermination de sa présidente, le docteur Élise Bogossian, qui a décidé il y a plus d'un an de venir en aide aux populations les plus meurtries, les réfugiés syriens et irakiens exilés au Kurdistan irakien. IPFM a le plaisir d'accueillir ce matin dans son émission Carte sur table ce médecin que bon nombre de nos auditeurs ont sans doute découvert au travers des différents reportages télévisés consacrés à son action. Élise Bogossian, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et je rappelle, pour poursuivre cette présentation rapide, que vous avez publié un livre intitulé « Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver » sur vos missions dans les camps de réfugiés. À vos côtés, nous recevons ce matin Marc Garmirian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes reporter de l'agence CAPA et le réalisateur d'un documentaire intitulé « Élise Bogossian, les aiguilles contre Daesh » diffusé en janvier dernier sur Arte. Nous allons revenir avec vous sur ce que vous avez vous aussi découvert en vous rendant sur le terrain. Avec nous en studio, Raymond Kevorkian, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du Fonds arménien de France. Vous avez accompagné Élise Bogossian sur le terrain. Vous êtes rendu dans l'un des camps où intervient cette association, Shenang et Avicenne. Vous aussi, vous allez nous raconter cette réalité du terrain. Alors, Élise Bogossian, je le disais en préambule, votre association a été créée en 2002. Expliquez-nous en quelques mots sa raison d'être et l'évolution qu'elle a connue pour arriver à votre intervention en Irak dans les camps de réfugiés. On a créé cette association en 2002 avec un groupe d'anciens étudiants. J'étais souvent en voyage au Vietnam à cette époque-là. Et puis on faisait une formation d'anesthésie. On travaillait au bloc opératoire. On faisait de l'anesthésie par acupuncture et on associait donc cette pratique-là à la prise en charge des blessés, et notamment les blessures de guerre. On avait beaucoup de vétérans de guerre qui venaient avec des amputations, des greffes, des choses comme ça. Par la suite, une fois que j'ai terminé ma formation, je me suis rendue plusieurs fois en Arménie, et c'était plus particulièrement dans le Haut-Karabakh que j'ai pu commencer à faire mes premières interventions toute seule, puisque là j'étais plus à l'université. Et puis après, progressivement, je me suis beaucoup intéressée à ce qui se passait en Syrie, et puis après en Irak, et je me suis vraiment investie avec une équipe maintenant vraiment bien consolidée. On a 14 médecins en Irak et une équipe en Jordanie aussi pour les blessés syriens. Et puis on a monté donc des unités mobiles, et progressivement on a élargi notre pratique, on ne fait pas que l'acupuncture. Alors on va quand même revenir un instant sur cette idée de proposer l'acupuncture dans ces terrains de guerre. Ça peut paraître décalé. Expliquez-nous justement en quoi c'est la réponse qu'on peut apporter dans des situations extrêmes. On travaille dans des régions où les Nations Unies ne sont pas présentes. On choisit volontairement les sites en collaboration avec les services secrets, les services du gouvernement, des sites qui sont soit des sites abandonnés, soit des sites qui ne sont plus couverts par d'autres ONG. Et on travaille également dans des régions où parfois l'accès aux médicaments est impossible ou alors ils sont souvent falsifiés. Donc on doit faire face à ça. On passe des commandes par exemple de médicaments
grâce à l'une des pharmacies reconnues par l'OMS, il faut passer les commandes un mois à l'avance. Donc, dans l'optique de continuer à être utile et efficace sur le terrain, l'acupuncture pour la prise en charge de la douleur, elle s'est imposée d'elle-même. Et je vais même vous dire, les personnes qui l'essayent, on leur laisse... D'abord, il n'y a personne d'autre qui vient. Sur les sites où on va, ils sont tout seuls. Et puis, on leur laisse, bien sûr, la liberté, si ça ne leur plaît pas, si ça ne leur convient pas, d'arrêter. Et souvent, c'est eux, dès la deuxième séance ou dès la troisième fois qu'ils nous voient, ils viennent. Et c'est... Maintenant, c'est des raz-de-marée. On a des matinées à 80 séances d'acupuncture. Et quand je vous parle de l'acupuncture, c'est seulement 20% des soins. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de consultations. On n'arrive même plus à suivre les stocks d'aiguilles. Moi, je suis obligée tous les mois d'envoyer 20 à 30 000 aiguilles. Donc c'est devenu quelque chose qui s'est complètement implanté. Puis les gens de voisinage, des personnes, des médecins d'autres hôpitaux font parfois la distance pour venir eux aussi se faire soigner. C'est devenu quelque chose qui s'est bien intégré. On a mis en place des formations, on forme des médecins. On a 4 médecins qui pratiquent maintenant l'acupuncture. On a une expat qui part plusieurs semaines en avril, qui est une enseignante. On a des gens qui viennent de Chine aussi. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'aider ces gens-là. Après, quand nous, on va rentrer, on aura fini notre mission, les personnes qui auront été formées, elles pourront... Voilà, apporter cette nouvelle technique dans ce pays, c'est original, ça marche. Et puis, voilà, on ne demande rien d'autre finalement que son utilité. Si c'est efficace, on le fait. Alors, je disais que votre association était peu connue depuis sa création et qu'elle a malheureusement été très médiatisée en raison de votre intervention sur le terrain en Irak, malheureusement parce que c'est une situation de guerre qui vous a conduit à vous rendre dans ces camps de réfugiés. Vous disiez, vous intervenez auprès des populations un peu oubliées de tous. Et vous avez été confronté à des situations dramatiques, très difficiles, que vous avez déjà relatées, que vous relatez dans votre livre. Alors, avant de rentrer sur votre expérience du terrain, je vais demander à nos autres invités d'apporter à leur tour un peu, d'accompagner votre premier témoignage. Vous avez vous-même, Marc Garmirian, accompagné et permis justement cette médiatisation forcée, on va dire, dont on se serait passé sans doute, hein, parce qu'il s'agit de parler de situations très difficiles. Comment vous en êtes venu à accompagner Élise Bogossian sur le terrain? Nous, on s'intéresse à l'actualité et à ses conséquences. Également à essayer de montrer un petit peu plus que ce qu'on voit dans les news, dans les journaux télévisés, et donc de raconter des histoires. Donc effectivement, l'histoire d'Élise est très particulière. Elle a une initiative plus qu'intelligente, louable et tout ce qu'on veut, mais la bonne idée qu'elle a eue, c'est d'envoyer des bus, en fait. C'est surtout ça, moi, qui m'a intéressé au début, qui m'a frappé. Et à travers elle, en la suivant et en suivant son équipe de soignants dans les différents camps, dans les différents points où ils soignent des réfugiés, on a pu rencontrer, nous, des réfugiés complètement isolés, notamment des yézidis. Et donc, l'idée d'avoir des bus itinérants qui vont soigner les gens là où ils sont, ça, c'était vraiment la bonne idée, puisqu'effectivement, dans les grands camps de réfugiés, il y a quand même des structures de soins, mais il y a des tas de gens qui sont isolés dans la montagne, qui n'ont pas d'argent, déjà, tout simplement, qui ont dû partir de chez eux, qui ont été chassés, et qui n'ont donc pas accès aux médicaments, pas accès aux soins. Alors il y a les blessures de guerre qu'on soigne immédiatement après le conflit, mais il y a aussi toutes les blessures ordinaires qui peuvent dégénérer très rapidement quand on est dans une situation de stress, quand on n'est pas chez soi, quand on n'a pas de moyens, et c'est là où Élise apporte vraiment quelque chose, quoi. Alors ces unités mobiles, effectivement, c'est la carte de visite de votre association. Oui, et je voudrais juste compléter sur ce que dit Marc par rapport aux personnes qui sont en dehors des camps. Il faut savoir que seulement 9% des réfugiés ont accès aux camps. Pourquoi ? Parce que les camps étaient déjà saturés par les Syriens. Et puis quand les chrétiens, les yézidis sont arrivés, il n'y avait plus aucune place dans les camps. Et les autorités n'ont permis la création que de 4 nouveaux camps. Alors dites-nous où vous êtes quand vous parlez de ces camps, leur localisation. On se trouve où ? On se trouve dans le Kurdistan irakien. Il y a 3 provinces. Vous avez Erbil, Souleymaniye et Duhok. Nous, on travaille sur 2 provinces, sur 2 des 3 provinces, c'est-à-dire Erbil et Duhok, qui sont à peu près 180 km l'une de l'autre. Mais comme on va au-delà de Duhok, finalement, on couvre une région jusqu'à 220 km. Donc, on a un long périmètre d'action. Et avec nos bus, on a mis en place un planning avec tous les sites qu'on a, puisqu'on a une trentaine maintenant, pour essayer au moins une fois tous les 8 jours de faire la rotation de tous les sites. Après, il y a certains sites où on est obligé d'aller 2 voire 3 fois. Par exemple, on a reçu 80 nouvelles filles de Raqqa en novembre dernier. On a notre psychologue et un nouveau gynécologue qu'on a recruté. Et ces filles-là, on est obligé de les voir jusqu'à 3 fois par semaine. Donc on a mis en place une ambulance à part pour elles.
parce que c'est un suivi particulier, ce sont des personnes très suicidaires, des personnes très malades. Et là, voilà, on a mis en place un système à part. Mais c'est du sur-mesure. Alors, si vous voulez bien, on va s'arrêter un instant sur ces filles de Raqqa, puisque ça fait partie des moments très difficiles de vos missions. Parlez-nous de ces filles de Raqqa. Les personnes qui sont des anciennes esclaves, Marc pourra vous le dire mieux que moi, elles ne parlent pas et elles ne veulent pas se montrer. Elles ont encore de la famille retenue là-bas. Ce sont des yézidis ? Ce sont des yézidis, oui, majoritairement les yézidis. On a des chrétiens aussi qui ont des membres de leur famille retenus, mais c'est majoritairement les yézidis qui ont subi ces tortures-là. Et les filles qui se sont échappées pendant les bombardements russes, il y a pas mal de il y a eu beaucoup de mouvements dans la ville, des baisses de contrôle au niveau des checkpoints. Des filles ont profité pour s'échapper. Il faut savoir aussi que le gouvernement kurde l'année dernière a débloqué une enveloppe $1 million pour racheter des victimes. Donc il y a plusieurs biais, plusieurs moyens comme ça pour aider les filles à revenir. C'est surtout majoritairement des filles. Il y a aussi des garçons, bien sûr, ils ont rejoint l'armée de force, l'armée de Daesh. Mais les filles qui se sont échappées, la plus petite qu'on a, elle a 7 ans. Et elle était violée tous les jours. On a des gamines entre 9 et 12 ans, c'est la majorité. Et puis, les filles de 20 ans, on en a moins. Voilà, pour donner une idée de la tranche d'âge d'enfants qui sont revenus. Parce que moi, je les appelle les enfants. On a des filles de 16 ans, 17 ans. Elles sont dans des folies, enfermées dans des folies, avec des régressions. Elles se mettent à zozoter et à parler comme si elles avaient 3 ans. Elles se cognent la tête contre les murs dès qu'elles entendent le chant de la mosquée. Ou alors, elles ont dès qu'elles voient un homme passer, elles se cachent sous les couvertures. Donc, c'est impossible d'approcher un homme, tu vois, de mettre un homme au contact de ces femmes. Du coup, on a embauché une nouvelle gynécologue femme parce que c'était impossible. Même le chauffeur, on a pris une femme parce qu'elles ne veulent pas même voir un homme qui conduit la voiture. Et alors, à part vous, qui intervient auprès de ces populations ? Alors, le département de la santé de Duhok est dirigé par un psychiatre qui a mis en place une distribution gratuite de neuroleptiques et d'antiépileptiques, d'antidépresseurs gratuits pour ces filles. Ce qui est pas mal, parce que finalement, il vaut mieux être shooté quand on a vécu une telle réalité, il vaut mieux l'oublier et puis minimiser la souffrance. Le problème est que maintenant, ces filles, elles sont tellement gavées de médicaments. Il y a plein d'accidents domestiques, on a beaucoup de problèmes de brûlures parce qu'il y a des chaudières qui ont explosé, des gaz qui sont restés allumés, tout ça. Et puis sinon, il y a une petite association allemande qui est 100% yézidi, qui vient régulièrement, qui a passé un accord avec l'État. Et on a, sur les 2000 femmes qui ont réussi à s'échapper, on en a 1000 aujourd'hui en Allemagne. D'accord. Alors, on vient de lever un peu le voile sur le travail formidable que vous faites sur le terrain. Un travail qui ne peut se faire sans un soutien financier dont vous avez cruellement besoin aujourd'hui pour poursuivre et développer votre action ô combien nécessaire, puisque vous venez de nous l'expliquer en quelques mots. Et on va poursuivre la découverte de cette action humanitaire. Et alors, parmi les soutiens financiers que vous avez déjà reçus jusqu'à présent figure celui apporté par le député Jean-Marc Germain, qui est en ligne avec nous ce matin dans cette émission. Jean-Marc Germain, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur l'antenne d'IPFM. Vous avez donc apporté votre soutien financier, un soutien conséquent à l'action menée par Cheng Nong Avicen et le docteur Élise Bogossian. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi d'aider cette organisation. D'abord, c'est un peu une conception. Vous savez que les parlementaires ont chacun une réserve parlementaire d'une centaine de milliers d'euros. Et beaucoup l'utilisent dans leur circonscription pour soutenir des associations. Moi, j'ai plutôt voulu utiliser cette manne financière dont nous disposons pour aider des initiatives innovantes. Alors, ce que je fais dans ma circonscription aussi, par exemple, j'ai subventionné des classes numériques. Mais je fais beaucoup aussi de soutien beaucoup d'actions humanitaires. Et ce qui concerne Shannon et Addison, en fait, c'est un ami que vos éditeurs connaissent bien, René Zagoyan, qui est venu me voir et qui m'a parlé du projet d'Élise, qui à l'époque était sur le papier et que j'ai trouvé formidable, parce que je pense que dans l'humanitaire, il faut à la fois des grandes structures. Et elles sont très présentes, des grandes ONG, mais il faut aussi des petites structures qui sont fondées sur la passion de femmes et d'hommes qui veulent aider les autres. Et c'est pour ça que j'ai dit banco, alors que nous
connaissions absolument pas. Alors, votre soutien témoigne aussi de la confiance que vous a immédiatement inspiré l'action menée par Élise Bogossian, qui n'est pas seule, elle nous l'a dit, mais ça va plus vite de dire l'action menée par Élise Bogossian, parce que l'association Chenang Avicenne a un nom assez complexe qui sans doute nuit aussi à la visibilité de cette organisation. Donc on a la tendance à dire docteur Élise Bogossian pour pas dire Chenang Avicenne, mais c'est une organisation, elle n'est pas seule, heureusement, mais ça vous a tout de suite inspiré confiance. Oui, enfin, c'est surtout la motivation qui m'a inspiré confiance plus que l'expérience, puisqu'il n'y en avait pas à l'époque. Et puis j'ai trouvé que le projet était très beau, financer un dispensaire mobile au Kurdistan irakien à partir de rien, puisque à l'époque, le camion n'existait pas. Il s'agissait de l'acheter, de l'équiper, de l'envoyer en Turquie et puis en Irak, et puis de démarrer sur place. Voilà, donc c'était vous avez vraiment une confiance sur la personnalité d'Élise et son très beau projet, plus que sur l'expérience. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai pu être utile, parce que si vous voulez, maintenant, Élise, si je puis dire, elle peut voler de ses propres ailes, parce qu'elle a son expérience. Mais au départ, personne ne voulait l'aider, parce que les organisations et les financeurs se disaient, oui, mais sans expérience, se lancer dans une affaire aussi difficile, puisqu'il s'agit d'aller dans un pays qui est en guerre, là où intervient Élise, c'est à 10 kilomètres d'une ville que vos auditeurs connaissent bien, qui est Mossoul, et puis c'est un défi immense, puisque c'est des centaines de milliers, plus d'un million de réfugiés dans un petit pays, et donc le challenge était énorme, mais je crois que justement il faut... Il est très important qu'il y ait des moyens qui soient déployés le plus possible. Ce qui est merveilleux aussi, c'est... Bonjour Jean-Marc. Bonjour. C'est que tu as pris l'avion et que il est venu nous rejoindre pour le premier jour du démarrage. Et on était en plein hiver. C'était juste après les attentats de Charlie Hebdo. Et je me rappelle combien Jean-Marc était occupé à Paris et il a décidé de maintenir son voyage. Et il est quand même venu nous rejoindre et on a lancé l'inauguration en sa présence dans un camp yézidi. Et on garde, voilà, moi j'ai gardé très belles images. On a inauguré en fait des premiers sites ensemble et il a vu notre équipe. Bon, c'était très embryonnaire à cette époque-là parce qu'on avait 3 médecins, mais voilà, c'est quelque chose qui est resté. Ça reste parmi les souvenirs. Très, très lumineux. Merci Jean-Marc. Merci Jean-Marc Germain pour votre témoignage, pour votre intervention. Donc merci aussi pour avoir en quelque sorte posé la première pierre de cette action menée par le docteur Élise Bogossian. Oui, et puis si je peux dire un dernier mot, je crois qu'il faut aussi appeler tous ceux qui nous écoutent à se mobiliser, parce que c'est des initiatives qui sont là, mais les besoins sont immenses. Moi, je suis chargé à l'Assemblée nationale d'une mission d'information sur les réfugiés. Donc, j'ai pu voir beaucoup de camps en Irak, mais aussi au Liban, compris d'ailleurs chez nous à Calais, en Allemagne. Et je crois qu'il faut vraiment que chacun comprenne qu'il y a des bonnes volontés, mais il y a aussi besoin de moyens et que, au fond, si l'humanité est humanité, c'est qu'elle est capable de s'occuper des personnes qui sont dans la difficulté, qui fuient la guerre et qui attendent notre main tendue. Donc moi, je crois vraiment, merci aussi de faire ce genre d'émission, parce qu'il faut absolument, non pas parler de flux de réfugiés, de millions de personnes qui déferleraient chez nous ou qui fuiraient leur pays et viendraient dans d'autres, mais des parcours de ces femmes et de ces hommes, et des besoins qu'ils ont en matière de santé, en matière d'éducation aussi. J'ai soutenu Bibliothèque sans frontières pour aller travailler avec Élise en Irak, parce que je crois que c'est très important. Il y a l'alimentaire, mais il y a aussi tout ce qui fait que, au-delà de la survie, on peut vivre une vie sociale, j'allais pas dire normale, mais au moins minimale. Merci pour cet appel, Jean-Marc Germain. Et effectivement, c'est le sens de notre émission ce matin, apporter notre soutien sur APFM à l'action menée par Élise Bogossian. Merci. Merci, bonne journée.
Alors justement, c'est l'occasion peut-être de nous dire comment vous aider. On va rappeler tout au long de cette émission comment on peut soutenir votre action, Élise Bogossian. Alors je le disais, Shannon Avicenne est un nom un peu complexe, mais on va peut-être l'épeler une fois pour toutes pour que nos auditeurs puissent le noter et vous retrouver sur Internet, trouver votre site et ensuite pouvoir éventuellement apporter leur soutien financier. Donc j'épelle S-H-E-2-N-O-N-G. Et Avicenne, A-V-I-C-E-2-N-E. On est en train de changer le nom. Pour que ce soit plus simple, mais en attendant, c'est Shannon Avicenne. Il y a une, une abréviation aussi, je crois, S-E-A. Ouais. Surtout, vous marquez Élise Bogossian sur Internet et vous trouverez tout de suite le site concernant l'association. Il suffit d'écrire Élise, vous commencez à écrire B-O et Élise Bogossian arrive, elle est la première en tête sur Google. Donc vous la trouverez très facilement et n'hésitez pas à apporter votre soutien à cette organisation et à cette action. Alors effectivement, Jean-Marc Germain, à juste titre, le disait, et vous-même, Marguerite Myriam, vous avez commencé à expliquer la raison pour laquelle vous avez fait ce reportage. La personnalité d'Élise Bogossian a intrigué, sensibilisé, a touché tous ceux que vous avez pu rencontrer par votre dynamisme. Alors je voudrais rappeler que, préciser à nos auditeurs que vous êtes mère de trois enfants, vous avez un cabinet d'acupuncteur à Paris. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre sur le terrain de la sorte, tous les mois, vous laissez votre cabinet, votre famille, et vous allez à la rencontre de ces populations. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous a... D'abord, j'y vais moins maintenant, parce que ça roule très bien sans moi. Et puis, je pense que, comme n'importe quel projet, quand vous ne le conduisez pas par votre présence physique, y a la volonté, mais quand vous êtes présent physiquement, ça marche mieux, c'est certain. On l'a vu plein de fois que quand on n'est pas présent pendant un certain temps, les activités diminuent, voire perdent de leur intensité. Et maintenant, on a une équipe merveilleuse sur place avec un chef de mission extraordinaire qui nous aide, qui m'aide en tout cas à vraiment lever le pied. Et puis, je m'absente plusieurs jours. Je pars pas. Je vis à Paris, je travaille à Paris, j'ai ma famille à Paris, mais c'est vrai que j'ai organisé aussi mon emploi du temps de manière à passer un maximum de temps avec ma famille quand je suis là. Donc je ne cherche pas à apporter de justification, mais... Non, mais malgré tout, il faut quand même préciser à nos auditeurs que vous avez passé beaucoup de temps sur le terrain. J'ai passé énormément de temps sur le terrain, je ne l'ai pas minimisé. C'est vrai que c'est très prenant. C'est un travail 24 heures sur 24, la nuit, le jour, parce que... juste monter un dossier de subvention, il faut chercher de l'argent tout le temps, parce que dès qu'on n'avait plus, tout s'arrête. Mais quand je vous dis tout, je viens d'arriver la semaine dernière d'Irak, on avait tous les enfants du camp, mais tous, ils avaient les poux et la gale. Ça nous a coûté un bras de les soigner. C'était pas prévu dans nos dépenses, et puis ces traitements, c'est pas grand chose. Mais c'est une véritable prise de tête quand vous ne faites pas bien. Oui, parce que là, vous sortez du champ de l'acupuncture. Vous êtes obligé de faire appel à d'autres médecines, à d'autres traitements. En fait, l'acupuncture représente à peine 20% de nos soins. Pour tout le reste, on a des pédiatres, gynécologues, chirurgiens, pharmaciens, infirmiers. Mais on prend en charge ces choses-là, puisqu'on fait aussi de la vaccination. Mais c'est vous avez diversifié votre action. Ce n'était quand même pas le point au départ. Ce n'était pas prévu. Dès l'inauguration, Si, dès qu'on a créé le bus, on s'est associé avec des équipes locales. Si, tout de suite, parce que de toute façon, dans les camps de réfugiés, ils ont besoin de tout. Voilà, en tout cas, il y avait la médecine générale tout de suite. Donc des besoins permanents qui évoluent. Oui, Marguerite Myriam. Non, je voulais juste signaler que surtout Élise est quelqu'un de passionné. Oui. C'est aussi pour ça que ça marche. Elle a une force de conviction hors du commun. Lorsque je l'ai observée, je l'ai filmée en train de négocier avec des villageois, avec des gens sur place, elle arrive à emporter le morceau, quoi. Quand elle veut les convaincre de quelque chose, elle y arrive. Mais alors c'est quoi cette passion? Où est-ce que vous puisez cette énergie? C'est quoi la flamme qui vous anime? Elle vient d'où, Élise Bogossian? C'est une séance de psychanalyse. je sais pas. Je pense que on fait les choses bien ou on les fait pas. C'est peut-être quelque chose qu'on... Peut-être une qualité, peut-être un défaut, d'être... présent à fond. Quand je fais quelque chose, que ça marche. Alors dans les nombreux reportages qui vous ont été consacrés, vous faites souvent référence à votre histoire personnelle et à votre filiation avec cette histoire arménienne qui transgénérationnelle qui vous pousse aujourd'hui dans cette direction. C'est vrai que j'ai fait mes études
à l'université, puis je suis partie en Chine, au Vietnam, je suis même allée très loin de la communauté arménienne parce que j'étais passionnée et attirée par d'autres cultures. Et puis, je ne pensais pas qu'un jour je serais aussi touchée par, par des sujets aussi sensibles. Par exemple, je n'arrive pas à me faire l'idée qu'on puisse ne pas manger à sa faim, qu'on puisse manquer d'eau, je ne supporte pas l'injustice, des choses comme ça. Et puis, je pense que c'est aussi ce qui s'est passé au moment du conflit syrien, puis l'approche du centenaire, du génocide arménien. J'ai commencé à rêver plus de ma grand-mère, d'histoires comme ça qu'on m'avait racontées. Et puis, la première fois que je suis arrivée dans un village arménien en Irak, même si j'étais déjà investie là-bas, puis même avec les Syriens, je m'occupais beaucoup des camps de réfugiés, j'ai eu un choc. Ouais. Ça, c'est vrai que c'était impressionnant de voir que finalement, 100 ans après, et puis nous, on reste les mêmes témoins de cette histoire-là. Alors bien sûr, on a la chance de ne pas être ceux qui sont passés sous l'épée, mais 100 ans après, exactement les mêmes scénarios, les mêmes histoires, et puis toujours la même chose, c'est-à-dire toujours les plus pauvres, les plus vulnérables qui sont attaqués les premiers. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu, à mon échelle, à mon niveau, empêcher. Et puis c'est vrai que, par exemple, pourquoi est-ce qu'en Irak, on choisit les sites les plus pauvres ? On n'est pas allé vers les sites les plus prestigieux, où on met notre drapeau, vous voyez ? On va sur les sites les plus abandonnés, les sites où les gens n'ont rien, les sites où ils ont les mêmes vêtements depuis un an et demi. Voilà, peut-être c'est... Voilà, moi j'ai choisi cela. Alors, tout ce que nous raconte Élise Bogossian, Haloutine Kevorkian, c'est quelque chose qui vous parle, évidemment, hein, vous en tant qu'historien du génocide. Vous êtes allé dans ces camps, vous êtes allé à Erbil, je crois, accompagner une mission d'Élise Bogossian. Ça fait écho quand vous arrivez sur le terrain, que vous voyez ces camps de réfugiés. L'historien aurait tendance à rationaliser tout ça, à tout expliquer, mais il y a une dimension humaine. Élise est très pudique sur tout ça, mais on porte tous un héritage. On est forcément très sensible à tout ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, si je porte un regard rationnel, on peut dire que ce qu'on a observé dans le traitement des Yézidis est tout à fait caractéristique d'un génocide tel qu'il est défini maintenant par les spécialistes. L'enlèvement de femmes, l'esclavage, l'enlèvement d'enfants aussi. Donc c'est des pratiques qu'on a rencontré en 1915-1916, qu'on retrouve aujourd'hui à un degré moindre, un traitement des chrétiens qui est, disons, il n'y a pas eu d'esclavage de femmes, autant que je sache, du côté des chrétiens. Mais au final, ces groupes de yézidis, ces groupes de chrétiens, même de kurdes, qui ont fui Mossoul notamment, quand on les observe dans les camps, qu'est-ce qu'on voit ? On retrouve les drames, les situations qu'on a connues au lendemain de la Première Guerre mondiale avec des rescapés. C'est exactement les mêmes phénomènes, les mêmes problèmes qui se posent. Il faut créer des dispensaires, assurer un minimum d'hygiène dans des camps qui sont d'abord des tentes. Enfin, il faut tout assurer, de l'éducation et tout. Ce qui fait que la démarche donc d'Élise et de son équipe, c'est quoi ? Dans un premier temps, ils étaient dans l'urgence. Hein, il fallait vraiment le traiter au quotidien de l'urgence. Mais il faut songer maintenant à des situations plus durables. Je m'explique. Par exemple, le Sinjar, où Marc s'est rendu au mois de novembre, a été repris par les Kurdes. Le Sinjar aujourd'hui, c'est un champ de ruines. Daesh a laissé derrière lui un champ de ruines. Donc ça veut dire qu'il faut investir pour permettre à ces populations, non pas de rester dans des camps précaires à 100 ou 200 kilomètres de leur lieu d'habitation traditionnel, mais de rentrer. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux d'intervention qu'il faut prévoir.
Nous, au fond arménien, on a absolument pas l'expérience de l'intervention d'urgence. C'est très clair. Donc, il était naturel de suivre, d'accompagner Élise dans sa démarche pour qu'on puisse aussi évaluer quelle est la situation. On ne s'est pas intéressé qu'aux populations arméniennes. Il y a à peu près 4000 Arméniens. Oui, on n'en a pas parlé, mais on va y revenir dans un instant. Donc, dans le Kurdistan irakien. Mais on a voulu avoir une vue globale, visiter les camps, comprendre un petit peu en quoi on peut intervenir. Alors, Marc Garmirian, est-ce que c'est un hasard aussi, si vous vous êtes intéressé à Élise Bogossian? Est-ce que ça fait écho aussi à votre histoire? Je vous laisse juste. À ton tour de passer bon, sur alors, vivant. Vous travaillez pour CAPA. Effectivement, au moment où vous êtes parti, qui s'occupait de CAPA? Le grand reporter Pascal Manoukian, qu'on connaît bien aussi sur notre antenne. On se retrouve dans ces histoires. Bien sûr, non, mais c'est pas uniquement parce que Élise est arménienne qu'on s'est intéressé à son histoire, mais c'est vrai que ça a forcément joué un petit peu. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à la situation là-bas, c'est que lorsqu'on se trouve sur place, on a vraiment l'impression que l'histoire bégaye, comme le disait Raymond. On est dans une zone où des massacres se sont produits quasiment de la même manière il y a 100 ans, et ça, c'est quelque chose qui vraiment est impressionnant, qu'on n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui. On se retrouve dans la même situation, enfin pour les populations qui vivent là-bas, qu'il y a 100 ans, lorsqu'on était ensemble avec Élise, et je crois que Raymond s'est rendu dans le même village arménien à Oresk, au fin fond du Kurdistan. On a rencontré des familles arméniennes dont les grands-parents avaient fui la Turquie pour se réfugier en Irak, à Mossoul, et aujourd'hui, eux se retrouvaient à fuir l'Irak, à fuir Mossoul pour aller se réfugier au Kurdistan. Donc, deux exils dans la même famille sur 100 ans. C'est quelque chose d'inimaginable. Et donc, d'où l'intérêt de s'occuper de ces populations-là qui sont complètement isolées, effectivement. Alors, est-ce qu'elles sont justement pas encore plus oubliées que ces autres populations oubliées de tous? Est-ce que la minorité arménienne au sein de ces réfugiés, de ces camps de réfugiés, n'est pas encore plus seule aujourd'hui? Parce que c'est rare qu'on entende parler d'Arméniens dans les camps de réfugiés. On a l'impression que les Arméniens ont échappé à cette condition la plus extrême. Pour vous donner... Un exemple, le prêtre arménien. Bon, ils étaient à Mossoul. Ils étaient deux à Mossoul. Oui. Il y en a un. Il officiait dans trois églises arméniennes. Aujourd'hui, c'est trois églises. Il y en a une qui est devenue une prison. L'autre, c'est devenu un magasin où vous pouvez acheter des armes. Pour vous donner l'idée du symbolisme, on s'attaque à tous ces symboles religieux, hein, culturels, pour encore plus vous détruire dans votre identité. Et la troisième, c'est un bazar où on peut acheter des filles. Voilà. Et le prêtre arménien, c'est la vérité, hein, ce que je vous raconte. Et ce prêtre arménien qui est exilé à Avresk, il fait sa messe, voilà, tous les dimanches. Enfin, c'est là-bas, c'est le vendredi, le dimanche équivalent, voilà. Il fait sa messe, et puis vous avez le restant de ces Arméniens qui sont là et qui essayent de croire en lui, mais lui-même est complètement désœuvré. D'ailleurs, il le dit lui-même, je serai le dernier à partir. Je comprends que les chrétiens veuillent partir. Je serai le dernier et je partirai le dernier. Et effectivement, ils nous le disent tous. Bon, pas pour nous culpabiliser, mais ils ont reçu un Khachkar au moment du centenaire l'année dernière. Donc il y a un très beau Khachkar, c'est écrit dessus 1915-2015. Mais ils n'ont reçu rien d'autre de la diaspora. Rien comme soutien. Ce sont les Kurdes qui les ont aidés. Comment on explique ça, Rajutin Kevorkian? Bon, je voudrais quand même un petit peu rééquilibrer les choses. Il y a à peu près 4000 Arméniens. Qui viennent d'où? Qui viennent. Il y en a environ 3000 qui étaient déjà implantés, soit de longue date, soit depuis 2004, qui est le premier exil, on va dire, départ des Arméniens de Mossoul. Oui. Il y avait déjà eu des tensions. Et actuellement, il y a environ 1 millier de réfugiés arméniens originaires de Mossoul qui se trouvent au Kurdistan irakien, on va dire dispatchés sur 4 sites à peu près. Le village d'Avresk, oui, Douk, Saho et Erbil, de manière à peu près équilibrée. Il y a quand même eu une prise en charge courageuse et efficace. D'une part, de l'archevêché de Bagdad, qui a mis des moyens sur place. L'UGAP finance, je crois, la moitié aussi des opérations pour pouvoir louer des maisons. Ce qui m'a frappé sur place, c'est
un mot d'ordre qui régnait chez les Arméniens, pas d'Arméniens dans les camps. C'était un peu le... Ils louent des maisons pour accueillir ces réfugiés arméniens de Mossoul. Donc il y a eu une prise en charge, un soutien médical régulier, des visites via l'association d'Élise. C'est une situation qui est pas simple. Beaucoup de chefs de famille sans travail, des enfants plus ou moins scolarisés, je ne connais pas exactement la situation, et dans un Kurdistan irakien dont la situation politique est beaucoup plus précaire qu'il n'y paraît. Moi, je me tourne vers vous, Margaret. Non, mais c'est des situations que vous connaissez. Vous mais ce qu'on disait tout à l'heure sur la situation globale, la situation politique, que les gens puissent revenir, qu'on puisse investir, comme disait Raymond, pour le moment, c'est pas possible, tout simplement parce que c'est encore la guerre. Et donc, ça va faire bientôt 2 ans que ces gens-là sont partis, soit de Mossoul, soit de Sinjar, enfin, en tout cas, de la partie irakienne qui a été prise par Daesh ou des zones syriennes. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Et ils ne le souhaitent pas, d'ailleurs. Soit parce qu'ils ont été dénoncés, soit parce que les maisons sont détruites. Tu racontais toi-même la situation à Sinjar avec les églises. La ville de Sinjar est aux trois quarts détruite. Un des seuls bâtiments anciens qui est encore debout, c'est l'église arménienne. J'ai pu le constater. Mais il n'y avait plus que quelques familles arméniennes à Sinjar. Quelques exemples. Quand on rencontre des témoins qui ont fui Mossoul et qui vous expliquent dans quelles conditions ils sont partis avec leur voiture pleine à ras-bord, les enfants, qu'à la sortie de la ville, ils ont été dépouillés de tout et qu'ils sont partis à pied avec leurs gosses, que ceux qui les dépouillaient étaient des adolescents de village, des alentours de Mossoul, où plus que l'idéologie, c'est l'appât du gain, le côté précaire de ces régions. Ça fait frémir et ça renvoie encore une fois. Ça me rappelle beaucoup de choses. Oui, il y a une logique de prédateur, y compris chez quasiment des enfants, quoi, qui vous menacent avec des fusils mitrailleurs et qui vous privent de tout. C'est pour ça que les chrétiens, pas seulement les Arméniens qui ont vécu ça, ils vous le disent eux-mêmes, même s'ils rêvent de rentrer chez eux, mais ils savent qu'ils ne pourront pas rentrer. On a vu des femmes arméniennes, Marc était là ce jour-là, qui nous disaient, mais nous, depuis qu'on est nés, on connaît ça, parce qu'on est chrétien. Depuis qu'on est nés. Oui, donc la situation d'être dépouillé, d'être spolié, d'être acquitté. Pour les chrétiens d'Orient. C'est une situation difficile, et je pense sincèrement qu'il faut les aider à rentrer chez eux, mais c'est une situation où eux-mêmes n'ont plus confiance. C'est compliqué. Alors, on parle de ces réfugiés d'Irak, mais dans les camps où vous vous rendez, il y a beaucoup de Syriens, bien sûr. Vous parliez de ces femmes, de ces enfants de Raqqa. Dans les camps de réfugiés, il y a aussi des Arméniens de Syrie. Quand je vous parle des filles qui sont revenues de Raqqa, ce sont des filles de Mossoul ou de Sinjar qui ont été vendues à Daesh et qu'elles sont parties en Syrie. D'accord, donc c'était déjà des Irakiennes. C'était des Yézidis, la plupart, oui. Donc, qui venaient d'Irak à la base. Elles ont été enlevées et vendues. Ensuite, elles sont vendues nues et elles partent dans des cages, soit vers Tel Afar en Syrie, puis à Alep. Il y a beaucoup de maisons occupées par Daesh là-bas et voilà, les combattants ont apparemment besoin de se décontracter. Et voilà. Donc ce n'est pas seulement une partie de jambes en l'air, c'est aussi toute une stratégie pour détruire l'identité des femmes et les générations après. Et, ou alors elles partent à Mossoul. Détruire l'identité de ces femmes, ça nous rappelle ce qui s'est produit en 1915. Dans les violences de masse concernant les Arméniens, il y a deux catégories qui étaient systématiquement visées. Des jeunes enfants et des jeunes femmes. Détruire l'identité. Alors, Robert Fiske... Qui était intégré, converti, entre guillemets, et intégré dans un environnement nouveau. Et celle que j'ai pu rencontrer... par moi-même et grâce à Élise, était complètement traumatisée. Effectivement, je parle des jeunes filles yézidis, on a recueilli le témoignage notamment d'une jeune femme de 17 ans qui a été vendue, violée, violentée, etc.
Et c'était très difficile, c'est très difficile de les faire raconter leur histoire déjà. Ça se fait qu'à visage découvert, hein. Enfin, je parle de télévision, à visage caché, pardon. Et elles sont complètement traumatisées. Jamais elles pourront oublier ce qui leur est arrivé, quoi. C'est clair. Il y en a beaucoup qui sont partis en Allemagne, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais il y en a beaucoup qui sont encore sur place, qui sont soignés en partie par les équipes d'Élise, mais les médicaments, les soins n'enlèveront pas ce qu'elles ont vécu, quoi. En plus, elles ne sont pas reconnues dans leur famille pour ce qu'elles ont vécu. Ouais. Il y a beaucoup de crimes d'honneur. Mmh. Il y a de la violence entre les frères, les pères, tout ça. Enfin, voilà, c'est annoncé. Voilà, j'ai ma fille, elle a été violée 7 fois par jour. C'est compliqué. Et ses filles sont encore plus enfermées dans le silence. Et est-ce que si on continue le parallèle, on ne pourrait pas aussi faire un parallèle un peu plus optimiste, puisque ces femmes, rappellent ces femmes arméniennes qui ont été aussi enlevées, vendues, violées et qui ont été rachetées, récupérées, qui ont pu se reconstruire, entre guillemets, et donner naissance à une génération, une deuxième génération d'Arméniens. Reconstruire, je ne sais pas, mais elles ont rebâti des familles, je pense, en portant au plus profond d'elles-mêmes leur trauma. Donc ça peut être aussi porteur d'espoir de voir comment ça a pu évoluer. Parce que Robert Fisk a publié récemment le grand reporter du journal Independent, un long article qui fait le parallèle entre la situation aujourd'hui et 1915 en disant « Ces derniers jours, on ne cesse de parler de génocide dans cette région. Le mot est utilisé 24 heures sur 24. Et je rappelle qu'il y a 100 ans, sur ces mêmes terres, s'est déroulé un génocide. » Et il fait un parallèle dans tout le déroulement des méthodes employées, des conséquences pour les individus. Donc on pourrait peut-être aussi faire un parallèle plus optimiste et dire à ces femmes et ces populations meurtries aujourd'hui que vous, Élise Bogossian, quand vous allez les voir, vous, Margaret Myriam, quand vous arrivez avec votre caméra et vous-même, à Alotune Kevorkian, leur dire voilà, on peut reconstruire une nation malgré un génocide et aussi insuffler un peu d'espoir peut-être. Oui, vous avez tellement raison. Je ne sais pas si elles sont capables d'entendre ça à ce niveau-là. Elles ne sont pas capables de l'entendre aujourd'hui. Peut-être. Non, parce que Daesh a semé des germes de haine terribles. Oui, il y a beaucoup de haine. Et puis, elles ont encore de la famille retenue. La plupart qu'on soigne, la plupart des filles que nous soignons ont encore une sœur, un frère, voilà, retenu. Donc, c'est... Ouais, alors, on va marquer une parenthèse dans cette émission Carte sur table consacrée à l'action menée par le docteur Élise Bogossian à la tête de cette organisation Shannon Avicenne qui a besoin du soutien de tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ouvrons l'émission Carte sur table et notre antenne pour parler de cette émission et solliciter votre soutien. Nous allons faire une parenthèse pour revenir à l'actualité du Rarabar. Donc nous marquons une virgule et tout de suite on revient sur le Rarabar. Vous avez sans doute écouté nos informations ce matin. Vous le savez, que se passe-t-il aujourd'hui au Rarabar ? Peut-on parler d'une reprise du conflit ? La nuit dernière, l'armée azérie a lancé une offensive d'envergure sur les positions arméniennes, attaquant au sol mais aussi dans les airs, des attaques qui ont atteint des villages et on déplore ce matin la mort d'un enfant de 12 ans, tandis que deux autres ont été blessés. La situation est très tendue tout au long de la ligne de front. Les forces arméniennes répondent à cette agression d'ampleur. Les derniers développements avec vous, Vartan Kaprielian. Bonjour. Donc, vous l'avez dit, les attaques sur toute la ligne du front qui sépare le Rarabar et l'Azerbaïdjan, des attaques au sol, des tentatives d'incursion, mais également des attaques aériennes par hélicoptère. Donc, on peut clairement dire qu'il s'agit d'attaques sans précédent, vous l'avez dit, depuis 1994. Là, il s'agit d'évacuer des villages aujourd'hui parce qu'on sent le danger imminent sur certaines régions, sur certains villages. Un enfant, vous l'avez dit, est mort, d'autres enfants sont blessés, mais il faut quand même dire, malgré cette violence de l'attaque azerbaïdjanaise, de l'armée azerbaïdjanaise, les Arméniens et la résistance, ou j'allais dire la défense arménienne, est à la hauteur de ces violence.
Il y a même une contre-attaque arménienne qui nous fait dire aujourd'hui, depuis quelques instants, on a une information comme quoi il y a une accalmie sur la ligne de front. Et s'il y a une accalmie, c'est grâce justement à cette défense. Une défense qui a permis aussi d'abattre un hélicoptère azéri. On parle aussi d'un char qui est abattu, touché par les forces arméniennes. Donc il y a une forte résistance, mais il y a aussi une mobilisation extraordinaire au Rarapar en Arménie. La population arménienne est très mobilisée, comme en l'été 2014, la population arménienne, les combattants, les anciens combattants sont dans les rues pour se mobiliser, même si on sait qu'aujourd'hui, l'armée du Rarapar et l'armée arménienne existent. Mais psychologiquement, il est très important de voir cette population, cette mobilisation populaire. On se souvient effectivement qu'à l'été 2014, les anciens combattants s'étaient mobilisés, avaient demandé à partir immédiatement au front pour apporter leur concours aux forces stationnées tout le long de la ligne de front. Donc une telle mobilisation existe déjà, qui veut dire quand même que la situation est particulièrement tendue, puisqu'il avait fallu attendre plusieurs jours pour que la mobilisation des vétérans se prenne de l'ampleur. Si dès maintenant il y a une telle mobilisation, cela signifie quand même que la situation est plus inquiétante qu'il y a quelques mois. De toute façon, elle est très inquiétante parce que personne ne s'attendait peut-être à une telle violence sur toute la ligne de front. Ça ne ressemble pas aux attaques auxquelles on était habitués, sporadiques, sur des lieux très précis et sur des soldats de l'armée arménienne du Rarapar. Là, la population civile est elle aussi touchée. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que les médias azéris n'en parlent pas. Pire, ils prétendent que les Arméniens ont inventé une histoire pour accuser l'Azerbaïdjan d'attaque. C'est assez fou quand même. Merci Vartan pour ce point. Donc nous reviendrons dans nos différents journaux sur l'évolution de la situation sur le terrain. Et nous reprenons dès maintenant le cours de notre émission Carte sur table. Alors, nous revenons en studio avec nos invités. Je rappelle que nous sommes ce matin en compagnie de Élise Bogossian, donc présidente, cofondatrice de l'association Shannon Avicenne. Avec nous également Marc Garmirian, grand reporter à CAPA, également Haroutun Kevorkian du Fonds arménien. Vous avez tous les trois été sur le terrain à plusieurs reprises, Élise Bogossian bien sûr, et Marc Garmirian et Haroutun Kevorkian vous ont suivi. Vous aviez donc, je le disais, Marc Garmirian, réalisé un documentaire intitulé Des aiguilles contre Daesh, un titre qui va loin parce qu'on comprend ce que ça signifie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec des initiatives comme celle-ci, on peut arriver à gagner du terrain sur l'État islamique. Gagner du terrain militairement, ça m'étonnerait, mais dans en tout cas, esprits. gagner en confortant les réfugiés, certainement, oui, parce que oui, des aiguilles contre Daesh, c'est un petit peu voilà, le pot de terre contre le pot de fer, hein, c'est des aiguilles contre les chars, ça pèse pas lourd. Par contre, je pense que pour les réfugiés, c'est très important. Et les aiguilles, alors Élise a précisé tout à l'heure que c'était que 20% des soins qui étaient amenés par l'acupuncture. N'empêche que je pense que le soulagement des douleurs psychologiques aussi, c'est important. Pour les réfugiés, un an ou un an et demi après qu'ils aient fui les combats, qu'ils aient fui leur maison, on n'est plus sur des traumatismes de guerre, on est sur du quotidien, sur de la dépression, parce que les gens sont complètement perdus. Ils n'ont plus de moyens, ils n'ont plus de maison, ils n'ont pas forcément d'aide ni de structure qui est autour d'eux. Et donc l'acupuncture peut les aider à supporter, entre guillemets, leur exil. Et soigner les petits bobos quotidiens, tu parlais de blessures, des gens qui ont des migraines chroniques, des choses comme ça. L'acupuncture aide beaucoup à les soigner, à ce qu'ils se sentent mieux. Mais c'est pour ça qu'en aidant les populations victimes de Daesh, en leur permettant de se reconstruire un peu plus rapidement que le temps aurait pu le faire, vous arrivez à combattre en quelque sorte les effets de Daesh. Oui, on réunit l'humanité pour faire reculer la barbarie. Oui. C'est aussi une très belle image, parce que c'est de ça qu'ils ont besoin là-bas. Alors, vous êtes soutenu, on le disait tout à l'heure, par des élus, notamment Jean-Marc Germain, qui est intervenu sur notre antenne tout à l'heure. Vous avez également reçu le soutien de personnalités du monde des arts et nous sommes en ligne avec l'un de ces soutiens, Simon Abkarian, bonjour.
Bonjour. Merci d'être sur l'antenne d'IPFM ce matin pour apporter votre soutien et votre concours à cette opération de sensibilisation que nous menons en faveur de Shannon Avicenne. Alors, je vous laisse la parole, Simon Abkarian. Bah, c'est gentil. Merci de détendre un peu l'atmosphère, parce que c'est vrai que l'émission est assez difficile. Ce que nous raconte Élise Bogossian est douloureux. Les témoignages qu'elle rapporte sont très durs. C'est pour ça que c'est héroïque ce qu'elle fait. Oui. Voilà, c'est ce qu'elle fait, Élise, ça tient de l'héroïsme, c'est tout. C'est au-delà de l'engagement qu'une citoyenne ou qu'une arménienne ou qu'on pourrait avoir... voilà, en son âme, c'est quelque chose, elle prend des risques, elle prend sur son temps, elle met son savoir au service des gens qui ont plus accès à rien du tout. Donc, c'est une action qu'elle mène que nous, on aurait bien voulu avoir à notre époque, en 1915, et ça s'est passé. Je suppose qu'il y a des gens qui sont venus nous aider, et on s'en rappellera toujours. Et voilà, c'est quelque chose que... C'est quelque chose qui me tient à cœur de voir ça. Chacun dans son savoir, dans ses possibilités professionnelles, peut ou ne pas intervenir. Élise le fait et je la salue pour ça. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire et qui est un exemple absolu pour moi. Et grâce à votre soutien, vous permettez aussi à cette action d'être mieux connue, plus médiatisée. Voilà. Grâce à mon soutien, oui, on peut dire ça comme ça, mais ça part d'elle. Hein. Évidemment, elle mais... Il n'y a pas de soutien possible. À un moment donné, le soutien, il faut le donner à des gens qui sont un peu fous et qui entreprennent des actions qui sont au départ impossibles. Elle a rendu l'impossible possible. Enfin, il faut dire qu'elle était têtue. Hein. Oui, c'est ce que nous expliquait Marc Garmérian qui parlait de sa ténacité. Merci Simon Abkarian d'avoir apporté votre concours à cet appel au soutien qu'on lance ce matin pour l'association Shannon Avicenne. Merci Simon. Au revoir. Alors on lance un appel à nos auditeurs au don, pour dire les choses simplement. Oui. Hein, comment on peut vous aider? Parce que les besoins sont immenses. Est-ce qu'on peut budgétiser un peu les besoins de votre organisation? Oui, on reçoit des quantités de lettres, de témoignages, de gens qui veulent... nous donner des vêtements, des médicaments, donner du temps. Tout ça, c'est merveilleux. On a beaucoup, beaucoup de mal, nous, quand on reçoit des cartons et des cartons de vêtements et de médicaments, à les envoyer en Irak, parce qu'on voyage avec des compagnies turques. Le moindre kilo qui dépasse, il nous est facturé. On n'arrive pas... Voilà. Donc, c'est malheureux à dire, mais ce qui est le plus utile, en fait, c'est de donner de l'argent, parce que nous, on peut sur place mieux estimer nos besoins. On a reçu des quantités de boîtes de médicaments ouvertes, parfois à la limite de la date d'utilisation. Et puis, même quand on a des médicaments... parfois, on a reçu, je ne sais plus, une centaine de boîtes de sirop pédiatrique. C'est merveilleux, ça nous fait une économie incroyable. Mmh. Mais en fait, c'était impossible de les amener. Mmh. Voilà. Ça rappelle là aussi l'aide qui avait été apportée au moment du tremblement de terre. Les transports coûtent tellement cher. Ça coûte plus cher. Il vaut mieux avoir de l'argent et on trouve tout sur place. On trouve tout. Et c'est une logistique, le transport, les valises. Vous trouvez les valises, vous les emmenez pleines, vous les ramenez vides. Il y a une roulette cassée, vous faites une collecte de vieilles valises. Non, mais je vous assure, vous prenez un bénévole pour faire que ça. Et en fait, vous vous éloignez un peu de votre mission au final, parce que vous arrivez sur place, le pharmacien vous dit, ça, je l'ai déjà. Voilà. Sauf les aiguilles. Les aiguilles, on a un labo là qui nous a donné aussi des aiguilles, parce que ça aussi, c'est un budget assez important. Mais c'est vrai qu'avec de l'argent, on peut tout faire. Avec 5 euros, on peut soigner un enfant, lui faire sa vaccination, un traitement pour les poux. On peut facilement imaginer des kits. Avec 50 dollars, vous soignez une famille. Pendant un mois, on est tranquille. Je sais pas, j'ai plein d'exemples comme ça. Vous avez des kits avec des compresses. On a des petites valises quand nos médecins vont sur des sites... avec 100 dollars, ils mettent tous les soins pour faire des soins pour des personnes qui ont le diabète, un traitement pour la tension. On arrive comme ça à gérer. Après, moi, le détail précis, je ne l'ai pas, mais c'est vrai que même des dons à 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars, on peut faire beaucoup de choses avec. Après, c'est pour une personne ou pour une famille entière. Chacun donne ce qu'il peut. Mais pour nous, pour notre logistique, et puis sachez que chaque don
qu'on récupère va directement sur le terrain. On a un expert, un comptable, et un commissaire aux comptes. Tous les comptes sont validés, certifiés. Enfin, on vient d'être reconnu d'utilité publique depuis 2 mois. Et tout est extrêmement transparent. Mais c'est vrai qu'avec l'argent sur place, on conduit mieux nos missions, parce que même une campagne pour les femmes enceintes, c'est sur place. Même moi, je ne peux pas vous dire précisément combien on a. Ce sont nos équipes sur place qui gèrent ça. Donc on peut retrouver plus d'informations sur votre site. De toute façon, hein, je rappelle que pour vous trouver, pour trouver votre site, on marque Élise Boghossian sur Internet. B-O-G-H-O-2-S-I-A-N. Je précise quand même, il y a un petit piège que nos auditeurs auront déjoué facilement. Donc pour retrouver votre site internet où on aura toutes les informations sur les besoins, comment vous contacter, comment faire un don. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles, d'humanitaires, de médecins? Par contre, là c'est différent. On a un ophtalmologue qui va partir quelques semaines, mais oui, les professionnels de santé, on a besoin. On a besoin sur de la longue durée. On va aussi on a deux missions, enfin deux expats qui sont partis sur 6 mois faire de la logistique, mais ça, ce sont des postes qui sont utiles. On a besoin de logisticiens. Ouais. On part sur des contrats de volontariat international. Voilà, ça, c'est des contrats type avec des défraiements. Mais sinon, pour les professionnels de santé, infirmiers, kinés, dentistes, tout ça, bien sûr, on prend. De préférence arabophone? Pas nécessairement. Anglais, ça suffit. Après, arabe, kurde, turc, tout ça, ça passe très bien. Mais c'est pas dans notre staff, les gens parlent aussi l'anglais. D'accord. Donc, bon, enfin, il y a des chances que sur l'antenne d'IPFM, votre appel puisse aboutir et que nos auditeurs soient arabophones, turcophones pour certains. C'est encore mieux. Donc, ce sera encore mieux. Encore mieux. Bon. Donc, pareil, hein, s'ils veulent poser leur candidature, ils peuvent faire ils se rendent sur le site de chez Nana Vicen. Oui, il y a une rubrique pour les bénévoles. Les volontaires, et ils envoient leur CV. Tout ça, justement, nous allons retrouver là immédiatement en ligne l'une de vos volontaires, de vos bénévoles, le docteur Valérie Boisson, qui rentre de mission. Docteur Valérie Boisson, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes partie en Irak, dans les camps, dans le Kurdistan irakien, pour une mission. Vous êtes rentrée récemment, vous avez publié votre expérience sur la newsletter de l'association. En quelques mots, on vous donne la parole pour que vous nous racontiez la réalité du terrain aujourd'hui dans les camps de réfugiés. Oui, donc la réalité du terrain, comment dire... attendez, je vous demande une seconde. Alors, Élise Boghossian, peut-être le temps que Valérie Boisson... Il y a un petit souci de... Voilà. Oui, alors, excusez-moi. Donc, oui, la réalité, alors après, elle est assez différente d'un camp à l'autre. Il y a des populations qui sont plus ou moins bien installées, enfin, après, le mot était un peu exagéré, mais où il y a un petit peu plus de confort, et puis d'autres qui sont dans des conditions très, très précaires, extrêmement précaires. Donc, moi, j'ai pu voir à la fois des camps, par exemple, le camp de Erbil, où là, c'est des mobilhomes, donc il y a un tout petit peu de confort, vraiment, encore une fois, le mot est entre guillemets. Et puis d'autres camps, je pense à Soulave, je pense à Dire Aboun, où là, les conditions sont beaucoup, beaucoup plus précaires. C'est-à-dire qu'ils sont... Moi, j'étais là-bas en octobre et novembre, jusqu'à décembre. Donc là, effectivement, ils sont dans le froid, ils sont... Il y a beaucoup d'humidité, il y a... Je pense à Soulave, par exemple, ce site où il y a un ancien hôtel désaffecté. Donc là, c'est un hôtel qui est quasiment en ruine, et donc ils sont installés là-bas dans des conditions, encore une fois, très précaires. Ça ressemble à des squats, en fait, hein, pour y aller aussi. Vous avez aussi des espèces de squelettes de béton. Toutes les constructions ont été interrompues en Irak parce que les capitaux ont été dispatchés, ont fui l'Irak, et il y a plein de constructions qui sont inabouties, et vous avez des familles entières qui vivent là-dedans, sans eau, sans électricité. Mais qui ont juste un abri au-dessus de la tête, quoi. Ouais, c'est ce que vous voulez dire, Valérie, quand on disait par rapport au confort d'Erbil, où là, vous trouvez de l'eau, l'électricité. Dans ces camps-là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage. Mais encore une fois, le mot confort, vraiment, entre guillemets, hein, tout est relatif. Mais effectivement, oui, bien si on compare un peu les camps, on peut effectivement dire ça. Alors, quel appel vous pourriez lancer aujourd'hui sur notre antenne, Valérie Boisson? Vous avez donc passé plusieurs semaines aux côtés de ces réfugiés, de ces populations meurtries.
donnez-nous à voir leur vécu quotidien pour que l'on comprenne à quel point il est important de venir en aide à l'organisation. Ben, je crois que c'est vraiment un combat quotidien pour eux. Effectivement, il faut, ils n'ont pas toujours, enfin, ils peuvent pas toujours manger à leur faim. Excusez-moi, je suis désolée. Ils se battent également pour que les enfants aillent à l'école. Ils se battent pour avoir des conditions de vie. Descendent, donc effectivement c'est important de les soutenir. Et puis l'action des ISE, elle permet aussi de leur montrer qu'il y a des gens qui sont là. Voilà. Nous on leur apporte au-delà du soin, on leur apporte une attention qui est très très importante, parce que évidemment nous on fait notre maximum pour soulager les douleurs, pour soigner, pour leur venir en aide d'un point de vue médical, mais ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on leur montre qu'ils ne sont pas tout seuls. Encore une fois, je pense à des sites un peu reculés qui sont, je crois, un peu laissés à l'abandon par les associations, par les aides. Et là, on leur apporte vraiment, on leur montre que, ben, qu'ils sont importants et qu'on les laisse pas tout seuls. Donc c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, effectivement. Voilà. Au-delà du soin, qui évidemment est primordial, ça nous fait là-dessus. Parce qu'après, c'est des choses qu'on nous reproche lorsqu'on va rencontrer les gens. On nous dit, vous nous avez oubliés. Merci Valérie Boisson pour votre témoignage, puisque vous êtes rentrée il y a peu de temps et on imagine que c'est difficile d'expliquer ce qu'on a pu rencontrer, ressentir sur le terrain. Alors merci pour votre témoignage. Vanessa Cavorquin, vous disiez oui, le plus important c'est ça, de montrer qu'on est là. Oui, ce geste d'humanité est absolument fondamental dans ces situations. Parce qu'ils ont affronté l'inhumanité en fait. Oui. Vous nous avez oublié, ça aussi, ça fait écho à Loutine Kevorkian, et on pense assez juste à ces quelques personnes qui ont, malgré les dangers, réussi à aider des enfants, des orphelins, à ces missionnaires allemandes, suédoises, j'ai plus les noms en tête, vous les connaissez par cœur, qui sont venus en aide aux enfants pendant le génocide. Élise Bogossian, c'est un peu cette juste du 21e siècle qui rappelle ces femmes en 1915. Oui, une sorte de juste retour après avoir reçu, donné, effectivement. Il est évident que l'expérience vécue par nos grands-parents ou arrière-grands-parents, on la porte tous quelque part, d'être sensible à ces douleurs, à ces drames, c'est presque naturel. C'est un petit peu aussi dans le même esprit que le travail qui est mené par l'Arménie ou par des Arméniens pour travailler à la prévention des génocides. On a la claire conscience que c'est un phénomène qui n'est malheureusement pas éradiqué de la surface de la Terre. Et donc, on est toujours à l'écoute, très sensible à tout cela. Et on a envie de dire, les Arméniens, plus que tout autre, devraient être les premiers à soutenir financièrement une action comme celle que vous menez sur le terrain pour venir en aide à ces réfugiés, oubliés de tous, pour que l'histoire ne se répète pas jusqu'au bout, qu'un soutien leur soit apporté à eux, par opposition à celui qui n'a pas été apporté en 1915. Je voudrais juste ajouter un point. L'essentiel des médias en Europe ou en monde occidental en général s'intéresse aux réfugiés lorsqu'ils se trouvent dans une position pour venir en Europe ou ailleurs. Ce que disait Jean-Marc On ignore quasiment, c'est absolument dramatique, la situation sur le terrain. Et ce que je dis, on s'est concentré sur l'Irak ce matin, mais le drame de millions de personnes en Syrie est quasiment ignoré, ce qui se passe sur le terrain. Et c'est d'autant plus terrible qu'il est extrêmement difficile d'y intervenir. La chance, si on peut dire, de l'Irak, c'est qu'il y a un Kurdistan iranien, irakien, qui est devenu quasiment
un sanctuaire où les réfugiés peuvent avoir un minimum de sécurité. Margaret Mérien, comment vous expliquez justement le fait qu'on ne se préoccupe pas plus de la situation sur le terrain ? On pense aux réfugiés une fois qu'ils sont à la frontière, en train de passer la mer, de périr en mer ? Ben c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à l'histoire d'Élise et qu'on est allé sur place, nous, voir la situation des réfugiés au moment où je l'ai fait, c'est-à-dire en novembre dernier. Parce que l'exil, enfin les combats, la fuite, l'exil ont été couverts à l'été 2014. Ensuite, on a beaucoup parlé effectivement de l'arrivée des réfugiés en Turquie, puis en Europe. Et on a un petit peu oublié ce qui se passait sur place, sur le terrain, en ce qui concerne ceux qui n'étaient pas encore partis, qu'ils soient réfugiés au Kurdistan irakien, qu'ils soient réfugiés en Turquie, en Jordanie. Je crois qu'il y a 2 millions de Syriens qui sont réfugiés à l'heure actuelle dans ces pays-là. Certains d'entre eux sont partis pour aller en Europe, mais il y en a beaucoup qui sont encore sur place, quoi. Et effectivement, il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont... Ils sont dans une situation d'entre deux. Ils espèrent peut-être pour certains rentrer chez eux, pour d'autres pas. Et ils ne peuvent pas pour le moment. Ils ne peuvent pas aller en Europe. Ils peuvent de moins en moins aller en Europe. Et il ne faut pas les oublier, effectivement. Et puis, Élise, il faut peut-être aussi, si on prend un peu plus d'altitude, il y a 52 millions de réfugiés dans le monde. Et un réfugié va passer en moyenne 17 ans de sa vie dans un camp. Et alors, on peut ou pas les blâmer de venir chez nous. Nous, on a un bus actuellement à Calais et on a beaucoup de difficultés. Je vais vous dire, même la mission que nous conduisons à Calais, elle est plus difficile que en Irak, parce que c'est très difficile de faire reconnaître notre travail, de s'intégrer, d'avoir l'aval et toutes les autorisations nécessaires. On ferme un camp, on en ouvre un autre tout le temps. Enfin, c'est très, très, très compliqué. Mais ce que je veux vous dire, c'est que parmi toutes ces personnes qui sont venues, qu'on peut ou pas blâmer, les accuser d'être des profiteurs, de venir chercher la sécurité sociale. Et puis, ces gens-là, il y a un garçon qu'on a soigné, par exemple. Des histoires comme ça, j'en ai plein. Un garçon qui était avocat pour les droits de l'homme à Bagdad. Il défend le procès d'une jeune fille qui s'est fait violer dans la rue par un policier. Il gagne le procès. Dans l'heure qui a suivi, il a aidé cette fille. Il gagne le procès. Dans l'heure qui suit, sa maison est bombardée, sa femme est assassinée. Il fuit et ce garçon est à Calais. Il a 25 ans. On a d'autres histoires, des jeunes couples avec deux enfants. Ils se divisent en deux pour maximiser leurs chances. Pourquoi ils veulent tous partir en Angleterre ? Parce qu'ils espèrent là-bas avoir plus de droits. On leur a fait croire, ils ont vendu, ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour payer un passeur. Et ils sont divisés en deux. Donc le père prend un enfant, la mère prend un autre. Ils disent, on a plus de chances de passer si on se sépare. Eh bien, il y a un parent avec l'enfant qui s'est noyé et l'autre a réussi à passer. C'est dramatique, mais c'est des histoires comme ça tous les jours. Et moi, je n'en ai pas vu une de toutes ces personnes-là, pas une qui est heureuse d'être là. Ils arrivent, ils n'ont plus rien. Ils sont les pieds dans la boue. Ils sont traités comme des malfrats, comme des bandits. Je ne dis pas, bien sûr, il y a probablement des fous qui sont glissés là-dedans, mais c'est tout notre regard sur l'humanité, sur ces gens-là. Ça aurait pu être nous. Ça a été. C'est un peu dommage d'oublier aujourd'hui que la plupart de ces migrants sont des réfugiés avant tout, quoi. Bien sûr. Et qui avaient une situation, qui vivaient dans des villes, qui n'étaient pas des va-nu-pieds de naissance, on pourrait dire. On a l'impression qu'ils méritent ce qui leur arrive parfois dans les retours qu'on peut avoir, effectivement, du regard qui est porté sur ces migrants, comme s'ils avaient choisi d'être là et d'aller sur le terrain à la base de leur départ, de leur périple, permet de comprendre d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Donc c'est important effectivement de multiplier les reportages comme celui que vous avez pu faire. Oui, d'aller sur place, de raconter des histoires, de raconter d'où viennent ces gens. Oui. Alors nous sommes en ligne maintenant avec une autre personnalité qui apporte son soutien à l'action que vous menez, Élise Bogossian. André Manoukian, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur l'antenne d'IPFM. Vous aussi pour apporter votre soutien à cette action menée par Élise Bogossian que vous avez rencontrée et qui vous a touché. Ah ben c'est difficile de ne pas être touché par Élise parce qu'elle a tellement d'énergie et je dirais qu'il y a quelque chose de il y a quelque chose de débordant chez elle et que rien n'arrête. Et alors au début, quand je l'ai vu débarquer comme ça, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et elle était toute seule, quoi. Donc ça me faisait, je me disais presque, bon, ben voilà, ça fait plaisir de voir des gens qui ont la foi, qui sont inspirés comme ça. Puis après, petit à petit, j'ai vu que son boulot, non seulement fonctionnait, mais qu'elle avait des vrais résultats, et puis que tout d'un coup,
Et quand je la vois dans des JT et des choses comme ça, je me dis, mais finalement, le seul regard qu'on ait presque humain par rapport à tous ces drames qu'on est en train de vivre, c'est le sien, puisque quand on la suit, elle y va. Le pays est en guerre, je parle de la Syrie, je parle de l'Irak, c'est des zones qui nous font flipper, et puis elle y va tous les mois. Et puis on la voit prendre l'avion, naturellement, puis aller là-bas, et du coup parler à ces gens, donc du coup elle nous les humanise. Pour nous, c'est des victimes anonymes qui sont sous les bombes, c'est des drames qu'on voit pas, même qui nous fatiguent et dont on en a marre, enfin voilà, qui nous saturent, qui nous procurent de l'angoisse, parce que le propre de l'angoisse, c'est que vous êtes stimulé par des trucs anxiogènes sur lesquels vous pouvez rien faire. Et elle, c'est l'antidote de tout ça. C'est-à-dire qu'on la voit faire, on la voit avec des gamins qui ont le sourire tout d'un coup. Après, ils vous expliquent qu'ils ont perdu leurs parents et tout, mais nous, tout ce qu'on voit, c'est le sourire de ces mômes qui demandent qu'à vivre. Et il n'y en a qu'une aujourd'hui qui est un peu avec eux, c'est elle, quoi. Donc voilà. Ben voilà, c'est un magnifique résumé de l'action menée par Élise Bogossian. Effectivement, vous avez raison, elle est fantastique et vous avez bien fait de rappeler son énergie et le résultat. Fantastique avec un petit grain de folie, mais il le faut, hein, ce petit geste, sinon on n'y va pas. C'est ce qui rajoute à son charme en plus, quoi. Il y a un moment donné, s'il n'y a pas des cinglés pour faire bouger les choses, on n'y va pas. Je suis pas en train de dire qu'elle est cinglée, attendez-moi, hein. Mais juste, il n'y a pas ce petit truc qui est presque anti-réaliste, quoi. Et finalement, les grands projets, ils se font avec ce zeste-là qu'il faut. Et elle, la pile. Voilà. Oui, comme disait un philosophe que vous connaissez sûrement, le nom m'échappe, mais on ne m'avait pas dit que c'était impossible, alors j'y suis allée. C'est un petit peu votre leitmotiv, Élise Bogossian, pour reprendre un peu l'expression d'André Manoukian, le petit grain de folie qui fait que vous ne vous posez pas de questions, vous y allez, vous foncez. Oh, moi, je ne me sens pas folle du tout. Non, justement, c'est ce que disait André Manoukian. Merci, André, pour votre intervention et puis vos propos très enthousiastes et qui montrent à quel point il est important de soutenir Élise Bogossian. Merci. Merci à vous, en tout cas. Et merci, Élise, surtout, et continue. Quoi. Merci, voilà. André. Merci beaucoup. En fait, c'est un peu ça. On ne vous avait pas dit que ce n'était pas possible, alors vous l'avez fait. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas posé de questions et vous êtes dit « je veux ». Mais j'essayais de pas mettre en place des bus, des dispensaires itinérants, et je vais y arriver. Mais souvent, je lisais dans le regard des autres qui me croyaient pas. Donc, des fois, c'était un peu dur, quand même. Puis en plus, la situation sur place était écrasante. Mmh. Et puis, quand je venais ici, je disais, ouais, j'ai envie de faire ça, je veux faire ça. Puis, je voyais dans les yeux des autres qui me disaient, ils n'osaient pas me dire, mais non, tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué, il te faudra 4 ans. Dangereux. C'était un peu déprimant. Dangereux quand même. Parce qu'on vous voit, vous, jeune femme, alors nos auditeurs ne vous voient pas, mais il suffit qu'ils aillent regarder sur Internet et ils vont voir que vous êtes une jeune femme qui donne une impression de fragilité. Enfin, je veux dire. Quand vous dites « je vais aller sur les camps de réfugiés en Irak, dans une zone de conflit », on a peur aussi. On est en zone militarisée, on n'est jamais allé sur les lignes de front ni au-delà. D'ailleurs, quand Marc voulait aller à Sinjar, je préférais pas y aller. C'est vrai que c'est une région encore minée. On fait très attention. Pour nous, c'est toujours security first. Pour vous donner une idée, parce que on manque cruellement d'argent, mais on a été approché par une grosse compagnie pétrolière, la société Exxon, qui a des centaines de familles chrétiennes au pied de leur raffinerie. Et leurs puits sont à 10 km de Mossoul. Et ils voulaient donner de l'argent à des ONG pour venir, en gros, faire le ménage devant leur raffinerie. Ouais. C'est des petits villages chrétiens, des restes de villages chrétiens. Et donc, ils nous ont contactés en disant, voilà, dites-nous votre prix et venez faire le ménage. Occupez-vous des chrétiens, enlevez-les de là. Et on a réfléchi, c'était hyper tentant, parce que voilà, ce sont des gens qui ont les moyens, qui peuvent vous faire un chèque comme ça tout de suite de 100 000 euros. Bon. Et on a décidé de ne pas le faire. On prend pas de risques. On est bon comme ça, bien sûr, on est en Irak, mais on fait très attention. Puis on est dans une région kurde qui est très militarisée, avec les Peshmerga, avec les services secrets, on fait quand même attention. Mais il est important aussi que ces zones soient démilitarisées et qu'elles ne présentent pas de risque pour les réfugiés eux-mêmes. À commencer. Sinon, ils ne seraient pas là. Voilà, oui. Il y a 2,5 millions de réfugiés dans la région. C'est pour cette raison-là. Alors, cette émission arrive à son terme. On va redonner le nom en entier de l'association Shenong Avicen. Alors, SHE2NONG. Là, jusque-là, c'est clair. Et Avicen, A-V-I-C-E-2-N-E. Encore une fois, vous écrivez Élise Bogossian sur Internet et vous trouverez tout ça.
Peut-être, Élise, tu peux préciser qui sont Chenong et Avicenne. Ce sont deux figures emblématiques, fondateurs de la médecine chinoise pour Chenong et Avicenne, la médecine occidentale. Mmh. C'était sympa, je trouve, de montrer la rencontre des deux médecines, parce que finalement, on est dans une époque contemporaine, industrielle, où on a tout compris sur le corps humain, mais on est parfois incapable de traiter des maladies nouvelles, comme les maladies dégénératives, je parle des maladies de notre époque, hein, même en France, des cancers récidivants, des maladies dégénératives, des maladies chroniques. Et dans les savoirs anciens, dans les médecines traditionnelles, on trouve parfois pas mal de réponses. Et je trouvais ça assez intéressant, le rapprochement des deux médecines. Et puis c'est ce qu'on fait, nous, dans les camps. Haloutin Kevorkian, l'organisation que préside Élise Bogossian, elle-même, Élise Bogossian, est un candidat idéal, j'ai envie de dire, au prix Aurora de la Fondation Sans Vie, qui récompensera à partir de cette année des humanitaires, des personnalités qui ont œuvré pour le bien des autres, qui ont permis à des populations d'être sauvées. Donc l'idée est de prolonger un petit peu ce qui a été fait par des missionnaires en 1915 et de rendre, à travers cette action, ce prix Aurora, ce qui a été fait pour les Arméniens en 1915. On pourra peut-être proposer le nom d'Élise Bogossian pour le prix 2017, puisque le prix 2016 va être attribué le 24 avril prochain à Yerevan par Georges Clooney. C'est important de le repréciser parce que ça donne une importance très très particulière à ce prix. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle me paraît une candidate tout à fait crédible, c'est évident. Il est quand même intéressant d'observer les quatre personnes ou institutions qui ont été retenues cette année. Il y en a trois qui travaillent en Afrique, c'est quand même assez révélateur. Il s'agit soit de personnes originaires du terrain, soit de, par exemple, un médecin américain qui travaille depuis 20 ans dans un pays d'Afrique. Voilà, c'est ça. Donc, des gens qui ont dévouement chevillé au corps, c'est ça. Et la démarche donc de la fondation de Rupen Vartanian et de son épouse est tout à fait intéressante et je dirais même dans l'esprit de la démarche d'Élise Bogossian, de cette ouverture au monde. Et c'est une autre manière en fait de parler et de rappeler 1915. Tout à fait. Et c'est aussi une façon que vous avez, vous, d'inscrire votre action quand vous parlez de votre grand-père. Vous rappelez aussi, à votre façon, 1915, malheureusement, on a envie de dire, parce qu'on aurait préféré ne pas avoir à faire de parallèle jamais. Hein. On avait toujours dit plus jamais ça. Ça a été dit en 1939. Bon, finalement, l'histoire se répète. Margaret Myriam, grâce à vos interventions sur le terrain et au travail que vous faites en tant que grand reporter, vous contribuez à cette connaissance. Mais malheureusement, la connaissance du terrain n'empêche pas que les guerres se poursuivent, malgré tout. Je pense qu'il faut éclairer les téléspectateurs en ce qui me concerne, puisque je fais de la télévision, mais leur donner matière à juger par eux-mêmes et influencer peut-être, influencer leur choix. Voilà, plus les citoyens sont informés, plus ils font un choix clair en termes politiques, et ça peut avoir des conséquences, on l'espère. Alors j'invite nos auditeurs à visionner votre documentaire qui est disponible sur Internet. Je rappelle son titre, Élise Bogossian, les aiguilles contre Daesh, qui avait été diffusé en janvier dernier sur Arte, donc le reportage que vous avez réalisé pour l'agence CAPA. Élise Bogossian, je redonne le titre de votre livre pour en savoir plus. Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver. Oui, c'est plus facile à retenir et à écrire que Chenong et Avicenne. Mais pour en savoir plus, surtout. Et Haloutin Kevorkian, merci à vous d'avoir apporté votre témoignage. Donc, une dernière fois, Chenong et Avicenne, pour apporter votre soutien financier, vous allez sur Internet, vous tapez Élise Bogossian et vous trouverez toutes les coordonnées de votre organisation, numéro de téléphone, adresse, pour faire vos dons, pour vous rejoindre en tant que bénévole. Quel que soit le soutien que vous voulez apporter, vous pourrez trouver la réponse sur ce site. Merci, bravo, bonne continuation. Et merci à nos auditeurs. Au revoir. Merci. Mmh.
émission proposée par Hype FM.